Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cap ou pas Cap, le plateau des défis, vous allez voir, en ce 12 septembre, c'est la rentrée scolaire, et oui, donc on va souhaiter une très belle rentrée à tous nos chers petits écoliers, nos petits collégiens et nos moins grands, nos moins petits, on va dire, lycéens. Et pour ce faire, un petit son, allez, pour la rentrée scolaire, vous connaissez ça, hein. Allez, le choral, c'est magnifique. Voilà, hommage à France Gall aussi en ce 12 septembre. Voici donc l'émission Cap ou pas Cap. Le principe est simple, vous proposez des défis à la production. Et puis après, bah, nous, on essaie de faire une petite tambouille interne et de voir si les défis sont réalisables. Et c'est ce qu'ont décidé de faire des Françaises et des Français qui ont proposé les défis que vous allez découvrir aujourd'hui, qui sont un petit peu atypiques, vous allez voir, autour de la rentrée scolaire. Mais pour ce faire, qu'est-ce que serait un jeu sans des candidats? Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Virginie et Agnès. Salut, salut Agnès. Ah, fair play, bravo. Vous allez bien? Ça va? Oui, très bien. Ouais, oui, détendue, ça va, Virginie, bien. Ça va? Ouais, trop Agnès. Oui, très bien. Même trop. Trop détendue? Ah ouais. Ça ne peut pas durer, hein, ceci dit. Hein, voilà. Bon, vous venez d'où, Virginie? Je viens de région parisienne. D'accord, où précisément? Je viens du 93, de Sevran. Ah, oui. Wow, de loin quand même, hein, du coup, un petit coup. Oh, il y a une petite route, ça va, tranquille. Vous faites quoi dans la vie? Je suis actuellement en recherche d'une opportunité artistique très intéressante au niveau de la chanson ou de l'improvisation théâtrale. Ah, faudra se mettre en lien avec notre chauffeur de salle, Seb. Il fait ça beaucoup, ouais. Alors, sinon, non, une opportunité, donc il faut contacter peut-être des cabarets, non? Des Alors, choses comme ça, on peut me contacter sur Instagram, sur TikTok, sous le nom de Luna Luzik. Voilà. Super. Voilà, un petit peu de pub au passage, hein, ça fait pas de mal. Très bien. Et alors vous Agnès, bonjour. Vous bonjour. Ben moi je viens de sud de l'Essonne, d'Étrichy, exactement. Voilà. D'accord. C'est le sud-sud du coup. Oui, c'est le sud de l'Essonne. Après il y a le fin fond de l'Essonne quoi. Oui, voilà. Plus bas, il y a quoi? Il y a Étampes. Il y a Étampes. Étampes. Ah oui, c'est très connu Étampes, hein, remarque. Ouais. Ouais, moi, je ne connais pas du tout. Non, moi, je ne connaissais pas avant parce que ça fait 5 ans que je suis d'Île-de-France parce qu'avant, je suis de la Normandie. Voilà. Ah, la Normandie. Oui. Basse ou Haute-Normandie? Haute-Normandie. Ouais, la Haute-Normandie. Il y a un haut potentiel. Ah, okay. Oui. Du côté de Rouen, c'est ça? De Rouen, Fort-Chézeau, plus précisément. Voilà. D'accord. Super. Ouais, très très belle région. On embrasse les Normands qui nous regardent peut-être ce soir d'ailleurs. Et Agnès, vous faites quoi dans la vie alors? Alors je suis figurante, je fais aussi des modèles photos et je fais aussi des parodies, je raconte aussi des anecdotes sur mes réseaux sociaux, dont TikTok. Voilà. D'accord, donc, ah oui. Donc là, Agnès Artiste Pro. D'accord, ouais. Très intéressant, donc des parodies sur... Ça veut dire que ça peut être des danses, je peux être en solo, des fois je prends ma peluche, mon nom sans peluche, donc voilà, et puis je fais les deux, moi je m'amuse. Ça va sinon Ouais. Super. Tu veux que je sois ton ours en peluche? Allez. Non, magnifique. Et donc, ça traite de quoi, en fait, ces parodies? Je prends des chansons connues et puis je danse. Et puis, ou alors, d'après les paroles, je fais des petits trucs en plus. Pas spécialement de la danse. Voilà. Voilà, c'est uniquement de la chorégraphie, en fait. C'est pas, pas parler. Pas parler, mais des fois, je parle quand même. Voilà, je montre quand même ce que je fais professionnellement. Et voilà, je varie. Voilà, je ne fais pas toujours la même chose. Je n'aime pas faire toujours la même chose. Chacun son univers, hein, voilà. Allez, on va jouer avec toutes les deux, sous les encouragements d'un public en délire, quand même, le public, avec cette émission spéciale rentrée scolaire. On va commencer tout de suite par la question de prise de main. Question de prise de main, donc c'est très important, car vous savez, l'une ou l'autre va pouvoir avoir la main, justement, pour dire si elle est capable d'affronter le premier défi de la soirée. Voici la question, vous attendez bien que j'ai énoncé les trois propositions. En quelle année Napoléon devient-il empereur des Français? 1802, 1804 ou 1806? Bien 1802.
1802. Ça a été très vite, hein, là, des deux côtés, là. Vous vouliez dire la même chose, Agnès, ou pas ? Non. Vous vouliez dire quoi ? 1804. 1804. Alors, ça se joue à deux années d'écart, hein, entre 1802 et 1804, il y a deux ans, et entre 1804 et 1806, il y a deux ans aussi. Ouais. Voilà, je vois que le public s'endort un peu, mais... Vous vous souvenez de ce très célèbre tableau de Jacques-Louis David représentant le sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris ? Mmh. Eh bien, c'était le 2 décembre 1804, malheureusement. Bonne réponse pour Agnès. Bravo, Agnès ! Quelle culture, Agnès ! Incroyable ! Désolée, vous perdez la main, Virginie, sur ce défi-là. Premier défi, alors qui revient à Agnès, oui. Un défi de mémoire. Ah. Ça, j'adore. Ah, mais alors Agnès adore, mais alors c'est magnifique. Oui. Si Agnès adore, là, on est comblés. Si on peut vous satisfaire, vous voulez quoi d'autre ? Un petit café, peut-être ? Non ? Défi mémoire. Défi mémoire, ah, chez Virginie, c'est... Ça arrive que j'ai une mauvaise mémoire. Ça dépend de quoi que tu veux me faire jouer. Là, je... Est-ce que vous arrivez, par exemple, à retenir un numéro de téléphone ? Vous savez, ce truc que personne, plus personne n'arrive à faire. Vous arrivez à le faire ? D'accord, donc je suis le seul à plus arriver à le faire, d'accord. Ok, super. Bon, j'ai rien dit. Ça dépend. Vous arrivez à le faire ça ou pas ? Ça va être compliqué, mais je vais faire de mon mieux. J'ai pas dit que c'était ça, hein. On sait pas, hein, bon. Agnès, est-ce que vous êtes capable ou pas de relever le défi mémoire pour 100 euros ? Oui. Bravo ! Encouragement quand même pour Agnès. Est-ce que vous êtes capable ou pas, Virginie ? Aussi, bah, on a les deux qui sont capables. C'est parti. Voici tout de suite le défi mémoire. Un défi mémoire donc avec Virginie contre Agnès. Alors défi de mémoire. Vous allez voir à travers cet écran qui est juste devant vous une série d'images défilées et vous allez devoir les reconstituer. Il y en a normalement 10. Ce sont des images autour de la rentrée scolaire. Certaines vont peut-être vous parler, hein, le restaurant, la cour de récréation, les jeux de ballon, que sais-je. Donc en gros, il y a 2 secondes par image et après, c'est à vous de jouer. On essaie de ne pas copier l'une sur l'autre. Hein. Et voilà. Attention, top image. Bah, à vous de jouer. C'est parti, top. Bon courage. Moi, j'ai déjà oublié la première, alors. C'est chaud. On sent qu'il y a un côté très organisé chez Virginie, là, qui est à fond, là, apparemment. Agnès, je sais pas trop où a fait l'inventaire, Agnès, en fait, de ce qu'il y a. Est-ce qu'il manque une image, Agnès ? Non ? On peut faire des changements, hein, jusqu'au dernier moment. Ouais, les... je suis en train de réfléchir. On va vérifier en image après. Alors, est-ce que c'est bon ? Agnès fait des derniers petits changements. Allez, c'est validé ? Pour l'une comme pour l'autre ? Ouais, pour moi c'est validé. Ah, Agnès, non, elle joue encore, on change un petit peu. Non, celui du haut, on peut changer aussi, hein, voilà. C'est... Non, celui-là, c'est sûr. En fait, Agnès, elle est en train de copier sur Virginie. Non. Du coup, elle change tout. Non, je copie pas. Je suis... Ok, c'est validé. Alors, attention. Bravo. Ouais. C'était difficile ou pas ? Bah, là, je viens de voir parce que j'ai pas du tout regardé ce que fait Agnès. Moi non plus. Et je sais que le dernier, c'est pas la cantine. Oh ! Comment ça balance ? Bon. Et on verra bien. Et peut-être qu'il y a des erreurs avant aussi, hein, parce que vous avez quand même assez vite un point de désaccord. Bon, on va vérifier ensemble. Je propose à Célia, qui est notre réalisatrice, qu'on peut applaudir aussi, Célia, qui réalise cette émission, de nous remettre un petit peu les images dans l'ordre. Comme ça, on va... Alors... Suspense. Alors, on commençait bien par... C'est dans cet ordre-là, hein, qu'il faut prendre chez vous, Agnès. Voilà. On commençait bien par le sac à dos. Joli sac à dos, d'ailleurs.
Alors après, vous avez mis la cour de récréation. Super, qui est plutôt une cour de maternelle, je pense, avec les jeux. OK. Troisième image, vous êtes encore d'accord, ce sont les crayons de couleur. Et alors attention, c'est sur la quatrième où là, il y a un point de désaccord. Virginie a mis le vieux cartable d'écolier. Sympa, hein, ça. Ça, c'est vraiment un cartable vintage. J'adore. Et puis des ballons du côté d'Agnès. Réponse en image. Ah, bravo Virginie! Eh ouais, c'est Virginie qui avait raison. Bon, petite erreur, hein, mais désolé Agnès, et c'est Virginie qui remporte 100 euros! Bravo Virginie! Merci, merci! Premier défi! Super! Bravo, bravo! Voici tout de suite venir le deuxième défi, un défi d'histoire. Alors, je sais pas si ça va vous inspirer. Est-ce que vous étiez plutôt bonne à l'école en histoire ou... Non, oui. Pas du tout. J'aime pas l'histoire. D'accord. Oui, oui. Vous préfériez la géo peut-être, non? Géographie? Ouais, puis encore, c'était pas ma matière. La matière, vraiment, j'ai eu vraiment la meilleure note, c'était en dessin. En dessin? Ouais. Ah oui, d'accord, en art plastique. Ouais. Super. Et vous, Virginie? Alors, c'était pas la matière où j'étais la plus douée en histoire, mais j'étais toujours passionnée d'histoire parce que je pense que c'est en se plongeant dans l'histoire qu'on comprend notre présent, notre futur, en fait. Donc, ouais, du coup, je suis d'accord. Voilà. C'est beau ce que vous venez de dire. Bravo. C'est merci. Ouais. Très, très intéressant. Message à passer aussi à ces millions d'écoliers qui prennent le chemin de l'école en ce 12 septembre. Alors, défi d'histoire, je me tourne vers vous, Agnès. Mm. Est-ce que vous êtes cap ou pas cap? Oui, défi. Moi, j'adore les défis. Allez, bravo, Agnès. Agnès, ça relève le défi tout le temps. Elle est géniale. Virginie? Meurs pareil, évidemment. Allez, bravo. Ben voici tout de suite le défi d'histoire. Défi numéro 2 autour de l'histoire. Alors, c'est au sens très large du terme. Hein. On sait que l'histoire, c'est pas trop la tasse de thé de notre amie Agnès. Oui. Bon, l'histoire avec un grand H, l'histoire du monde ou l'histoire de France. Vous allez devoir jouer l'une d'abord et l'autre ensuite. C'est une épreuve au chronomètre et celle qui réalise le meilleur temps remporte le défi qui vaut quand même 200 euros. Pas rien, hein? Le premier a été remporté par Virginie. Donc Agnès, il faut essayer de remporter celui-ci, hein, sur l'histoire. Allez, encouragement pour Agnès. Ouais, vous avez raison. Allez, c'est Agnès qui va commencer, justement. Alors, Agnès, vous allez devoir reconstituer dans l'ordre chronologique, hein, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent, les quatre images suivantes que vous allez pouvoir manipuler après mon top départ. Est-ce que Agnès, vous êtes prête? Oui. Ok. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors, c'est autour des chefs de l'État français. Intéressant, hein? Ouais, c'est intéressant. Chef de l'État français. Ça tient pas. Ça tient pas. C'est fait exprès, ça fait partie du défi, Agnès. Les présidents de la République, plus précisément. Au revoir, découvrez au revoir, des. Au revoir, président. Alors, Agnès, vous dites top quand vous pensez que c'est bon. Hein. Ouais, il y a un truc qui tient pas, donc voilà. Stop! Agnès, ça valide. Bravo, Agnès. Ouais, là, ça va. Bon, outre le fait que ça ne tienne pas, Agnès, oui, celui-là, il est cassé, je sais pas. Oui, si il est cassé. Je crois que c'est Pauline, notre assistante plateau, qui a marché dessus. Non, c'est pas quand elle a fait du café gazifié. Si vous voulez une bonne recette, vous demandez à Pauline, elle sait faire du café gazifié. Voilà, oui. Voilà. Dolce qualitat. Alors, il fallait ranger ces présidents de la République française. Là, ça va. C'est dans bon. L'ordre chronologique, hein, du plus ancien au plus récent. Moi, je vais partir du sens inverse, tiens. En dernier, Agnès nous a mis Nicolas Sarkozy, qui est une bonne réponse, effectivement. Élu en 2007, donc là, on est bon. C'est l'histoire de France, hein, liée avec la politique. Ensuite, François Mitterrand, qui a donné son nom à la BNF, élu en 80, bravo, ouais, bonne réponse. Réélu en 88, c'est François Mitterrand qui ne tient pas. Et alors après, vous m'avez mis le général de Gaulle, Charles de Gaulle, qui a donné son nom à l'aéroport parisien, évidemment. Et puis, en tout dernier, donc le plus récent pour vous, Georges Pompidou. Vous êtes d'accord ou pas? Christophe, dans le public, il n'est pas... Et en fait, c'était d'abord Charles de Gaulle. Ah, merde. Eh oui.
qui est là, le créateur de la Ve République et de la Constitution de 1958, notamment. S'ensuit après Georges Pompidou, et puis on a volontairement oublié évidemment Valéry Giscard d'Estaing, qui a été président en 1974. Voilà. Bah, bravo quand même Agnès, pour tout, mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, Virginie va-t-elle mieux faire? C'est la question. C'est au tour de Virginie maintenant, sachant que vous avez fait un score de 32 secondes, un temps de 32 secondes, Agnès, donc record à battre du côté de Virginie. Est-ce que vous êtes prête, Virginie? Ouais. Du plus ancien au plus récent. Ok, plus ancien, plus récent. 3, 2, 1, top, c'est parti, on peut l'encourager. Mais on y croit, c'est sûr. Ah ouais, là, on est sur les rois, là. Ce qui, bon, apparemment, ne fait pas trop plaisir à Virginie, mais oui, les rois de France, quoi, l'histoire de France avec les rois. Remarquez que les présidents, on était un peu sur les rois aussi, voilà. Je sais pas si je vais garder cette phrase, mais... Alors, la question, c'est de savoir qui est qui, parce que ils ont tous un peu la même robe. Les portraits, ils sont tous pingués pareil. On aurait dû vous demander de vous habiller, d'ailleurs, comme ça. Pas avec le grand cap, fleur de lys. Validé ? Je n'ai aucune idée au niveau des portraits. Donc, je valide. Top ! C'est validé pour Virginie, qui retrouve sa place, voilà. Alors, Virginie, aucune idée au niveau des portraits. C'est vrai que c'était pas simple, quand même, cette affaire. On commence d'abord, alors, du plus ancien au plus récent. On commence par Louis XV, effectivement. Alors, Louis XV, c'est une première bonne réponse. Bravo. C'était pas simple, Louis XV qui est ici. Ensuite, on enchaînait avec Louis XVI, qui est ici présent. Et donc, ça, en fait, c'était Louis XVIII, malheureusement. Lui, c'était Louis XVIII, voilà. Et puis, en fait, bien avant, il y avait aussi la prise de la Bastille. Ça, c'est un événement de l'histoire de France. C'est vrai que c'est pas évident. Je reconnais pas les têtes des rois. Donc, voilà. Oui, bon, je sais pas. Si, voilà. C'était dur. Il y en a qui sont fans de rois, il y en a qui sont fans de TikTok et de parodies. Voilà, chacun son truc, après tout. Voilà. Allez, bravo quand même. C'est un match nul, finalement, pour ce deuxième défi. L'histoire, pas simple. Bon, je propose d'oublier tout ça, puis on passe sur un défi français. Un peu plus simple, quand même. Alors, défi français. Virginie, pareil, à l'école, au collège, les rédactions. Les profs d'invention, là. Ouais, ça, j'étais très, très bonne, mais en orthographe, pas forcément la meilleure. D'accord, donc espérons pour que ce soit de la grammaire. On va croiser les doigts pour de la grammaire ou de la conjugaison. Non, même pas. Rien. OK. Vous pouvez prendre la porte de sortie aussi, qui est derrière, si vous voulez. Voilà, merci d'être passée. Agnès, français. Moi, c'était plus l'orthographe que j'étais bonne. Voilà. Et même, je ne me rappelle pas, il y avait mon professeur de lycée, quand j'étais en bac pro, il nous avait fait une dictée que Bernard Pivot avait fait. Ah oui, la fameuse dictée Pivot La fameuse. Ouais, ça, c'était bien. Bon, allez, je croise les doigts. Est-ce que, Virginie, vous êtes cap de relever le défi français? Je suis cap. Bravo. elle va au-delà, Virginie. Elle ne sait même pas ce qui l'attend, mais elle y va. Bon, j'y vais, super. Je fonce. Agnès? Moi aussi, je fonce. Bravo. Voici tout de suite le défi français. Un défi de français avec, vous avez vu apparaître sur le plateau, de nouveaux personnages, des hommes qu'on poussait comme ça, pouf, ou alors qui sont tombés du ciel, je ne sais pas. Un public qui participe, donc c'est super, bravo le public, qui est là pour encourager Virginie et puis Agnès. Alors ils sont là parce que le public va participer à ce défi. C'est un défi que vous avez accepté de relever toutes les deux. C'est un défi d'orthographe. Agnès, défi d'orthographe? Oui. D'orthographe, ça... Ça va, si c'est pas trop compliqué, ça va. Bah, ça dépend du mot, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un téléspectateur de Rouen. Justement, c'est votre coin. Oui, oui. Entre Normands, on va s'aider entre Normands, non? Ouais, vive la Normandie. Allez. Alors, à mon top, vous allez devoir orthographier correctement le mot suivant, mais avec la difficulté de tenir le marqueur entre vos dents. Ah ouais, ça va être du roulou. Il va falloir une bonne tendition. Vous êtes prête, Agnès? Oui. Le mot est coccyx. Top, c'est parti. Alors, coccyx, c'est vrai que ça peut être facile à écrire pour les personnes qui viennent du corps médical, mais pour d'autres personnes, je sais pas si... Il y en a qui savent écrire coccyx correctement dans le public en levant la main, sans souffler. Et toi, tu sais tout, en fait. C'est vrai.
Alors, et la difficulté, c'est d'orienter le... Voilà, je crois que la difficulté, pour moi, en tant qu'animateur, ça va être de relire après, derrière. Comme une écriture de médecin, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou un enfant de 3 ans. C'est bon, Agnès ? Ouais. Top ! Alors, Agnès, elle nous a... Bravo ! Comment ça lui est arrivé ? Troisième. À la caméra 5, le mot que Agnès a orthographié, coccyx. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire un truc chez vous, à la maison ? Je sais pas, moi, c'est pas forcément facile. J'arrive pas très bien... Je lis un C, un O, deux C, un Y et un X. C'est ça ? Ouais. Bah, vous savez quoi ? C'est exact ! Bravo ! Bravo ! Je savais. Bravo, Agnès. Petit cadeau. Merci. Bon, ça va être à votre tour, Virginie. Hein. On va partir du côté de la Bretagne. On espère que les dieux bretons vont m'écouter. Ouais, on embrasse tous les bretons qui nous regardent, d'ailleurs. Et on va déguster la célèbre pâtisserie boulangère bretonne. Le, je crois que c'est masculin, le kouign-amann. C'est le kouign-amann. Le kouign-amann. Top, c'est parti. J'aime le manger, mais pas l'écrire. Entre les dents, hein, voilà, attention. J'aime le manger, mais pas l'écrire, c'est ça qu'elle a dit ? Oui. C'est vrai que ouais. C'est quinque. C'est prend bien. Allez, on peut encourager. Ah, bah, c'est prend bien. Je vois pas, j'ai pas mis. Ah, bah, alors voilà. C'est un problème. Le principal. Ah, petite imperfection. Ouais, c'est pas. Je rappelle que c'est pas la qualité artistique qui compte, mais l'orthographe. Ah, bah, non. Virginie. Oulala. C'est bon, validé ? Bravo ! Elle l'a fait ! Oh là là, magnifique, merci. Elle l'a fait, voici l'orthographe de kouign-amann. Bon, alors je lis un K, un O, et après, j'arrive pas à lire. Alors, j'aurais dit que j'étais hésitante sur le G, mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc un N, un A, un M, E, N. Mais... Alors il y a un U d'abord. Ça s'écrit K-O-U-I-G-N. Et Amann, c'est assez simple à écrire. A-M-A-2-N. Ouais, c'était pas évident. Dommage. C'était pas évident. Mais c'est une bonne nouvelle pour Agnès. Ouais. Légalise. Bravo, Agnès. Bravo. Ouais. Égalité, mesdames. On revient tout de suite après la réclame. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, on peut rejoindre Mars en roller coaster ou plonger dans un parc aquatique merveilleux aux mille et une couleurs. Et faire de surprenantes rencontres, comme croiser une pieuvre. On peut embarquer pour un incroyable voyage et faire le tour du monde ou sauter dans une tornade pour vivre le grand frisson. Ici, tous les mondes se rencontrent, s'explorent et se vivent. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. It's one unique, one special vibe.
Je suis la route. Je suis la route qui conduit Léo à l'indépendance. Je suis la route qui emmène Julie et ses amis danser jusqu'au bout de la nuit. Je suis la route qui emmène Jeanne et Capucine à leur séminaire d'entreprise. Ah, et ben en fait non. Je suis la route qui rapproche les jeunes tourtereaux et qui réunit les vieux poteaux. Je suis la route et je peux vous emmener où vous le désirez. Je suis la route et j'aime vous rendre plus libre, plus vivant. Et j'aimerais que vous le restiez. Nature. Découverte. Émotion. Partage. La base. La Normandie a tant à offrir, à commencer par l'essentiel. Il y a ceux qui n'ont jamais commencé à fumer. Ceux qui ont arrêté, recommencé, arrêté. Ceux qui pensaient ne jamais y arriver. Et ceux qui ont enfin trouvé la bonne méthode. Ceux qui ne se sentent pas encore vraiment bien. Et ceux qui se sentent tellement mieux. 50 millions de Français vivent sans tabac. Rejoignez-les. Bienvenue dans une vie sans tabac. Les volcans d'Auvergne, 80 géants alignés. Un spectacle unique en Europe. Mais ces volcans, sont-ils vraiment éteints? Ou seulement endormis? Réponse au cœur du nouveau Vulcania. Avec effets spéciaux et cinéma dynamique à l'appui. Mais vous êtes prévenus, ça bouge. Vulcania, l'aventure de la Terre. Retour pub avec cette émission Cap ou pas Cap, spéciale rentrée scolaire. Ouais. Et France Gall, qu'on a eu tout à l'heure. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce... Alors, Charlemagne, de retour à de la pub, eh bien, il y a une égalité parfaite entre Virginie et Agnès qui ont chacune 100 euros dans leur cagnotte. Bravo. Bravo. On va passer sur un défi artistique. Alors Agnès nous a dit tout à l'heure, oui, j'étais très forte à l'école, enfin en tout cas en art, en dessin, voilà. En dessin, Virginie, c'était ça ou pas? Je faisais des concepts qui plaisaient à mon prof d'art plastique, mais j'étais pas forcément la plus douée à faire des, comment dire, des belles fleurs et tout ça. Mais ils étaient compris les concepts, parce que moi, quand je dessinais en art plastique, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Durassier d'ailleurs, et j'avais 9 sur 20, 3 sur 20. Enfin bon, c'était des concepts. Ils étaient compris les vôtres, ouais. J'avais de bonnes notes. Bon, super. On va voir si vous avez des bonnes notes sur ce défi-là. Virginie, vous avez la main. Vous allez devoir, avec ces crayons de couleur qui sont face à vous, reconstituer le drapeau LGBTQ+. Ok. Vous êtes prête? C'est un défi au chronomètre. Ok. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, encouragement dans le public. Du coup, je dois les positionner comme sur le drapeau. Un drapeau en forme de crayon de couleur, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. En un minimum de temps, parce que c'est chronométré, je vous rappelle. Je me doute. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert. Il y a du... Toutes les couleurs sont à utiliser. Ah, c'est compliqué. Non, c'est... Ah, c'est pas... À peu près ça. À peu près ça. Ah, compliqué. Ah, Virginie, c'est plus... Vous dites top pour arrêter, hein. Non, je suis pas sûre.
Je sais qu'il y a les couleurs primaires de l'arc-en-ciel, donc rouge. On peut encore y réfléchir toute la nuit si vous voulez, on a encore toute la nuit et demain matin aussi. C'est gentil, c'est gentil. C'est adorable. La semaine prochaine même aussi. C'est adorable, merci beaucoup. Le mec qui rajoute pas de stress en plus, quoi. Je te jure, à peine, à peine, je me sens pas du tout stressée comme meuf. Ah, on change, il y a du orange. Ouais. C'est bon, je vais m'arrêter là. Pour nous. Bravo, hein, quand même. Bon, alors on va le vérifier en image avec notre formidable réalisatrice Célia qui va nous afficher le drapeau de cette fameuse communauté. Alors on commence de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, hein, du rouge effectivement. Rouge-rose, ouais, j'accepte. Orange, jaune. Après il y avait le vert, il y a une inversion entre vert-bleu. Ouais. Ouais, et après on repart sur du orange. Bon, je peux quand même pas le valider, mais l'idée était là quand même, on peut applaudir. Dommage. Ça s'est joué sur la fin en fait, hein, les inversions de couleurs sur la fin. C'est ça. Je connaissais même pas le drapeau. Alors, il y a un drapeau que vous devez peut-être connaître encore moins. Je ne sais pas, Agnès, si vous ne connaissiez pas ce drapeau. Le suivant que vous allez devoir réaliser en un minimum de temps, c'est le drapeau asexuel de la communauté asexuelle. Bon courage. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est une communauté dans la communauté LGBT. Tout à fait. Plus, c'est les personnes qui n'ont pas de désir sexuel. Absolument. Et voilà, qui ne peuvent vivre une histoire d'amour merveilleuse. Romantique. Romantique, et voilà. Et en fait, en somme, ils peuvent avoir des désirs pour. Comme tous les 36 du mois, mais ce n'est pas ce qui fait la fondation de la relation. Bravo Virginie. Moi, j'appelle Virginie. Hein. Elle s'habille dans le public. C'est pas du tout. C'était comme, ouais. Bravo Virginie, hein. Super Virginie, là. C'est pour ça que je suis dégoûtée de n'avoir pas bien fait le drapeau. Ah oui, oui. Un peu, je connais ni l'un ni l'autre, comme ça. Alors, allez Agnès, on encourage Agnès. Allez Agnès. Peut-être que toutes les couleurs ne doivent pas être utilisées, hein. On sait pas, hein. C'est... Ouais. Vous dites stop pour arrêter le chronomètre, Agnès. Allez, stop, stop, on arrête tout. Ça, j'utilise pas. Hein. Non. J'enlève. Très bien. Alors, bon, on va voir la réponse. Mais il y a du noir et c'est plutôt bien parti parce que dans le drapeau asexuel, effectivement, il y a la couleur noire qui a une certaine signification qui m'échappe. Mais bon, à retrouver sur Internet. Vu que les propos que vous avez dit à chacun, vu qu'il n'y avait rien, c'est rien, c'est noir. C'est ici. Ouais, bien joué, bien joué. Vérification en image. Alors oui, effectivement, ça commence bien par le noir et après c'est le gris, on part sur le blanc. Blanc, ouais. Blanc, il fallait laisser un espace qu'on n'avait pas de crayon blanc. Ouais, mais... ouais. Et puis du violet, mais il y avait quand même les couleurs, il y avait la tonalité, mais malheureusement, bon non, voilà. Mais j'aurais pas de point d'un côté comme pas de l'autre. Ça ne change rien au résultat, du coup. Mais vous avez quand même 100 euros, Virginie. Merci. Et 100 euros, Agnès. Merci. Bravo. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale rentrée scolaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Cap ou pas Cap. N'hésitez pas à proposer vos défis au bas de votre écran, à l'adresse qui s'affiche en ce moment. Et puis avec la production, on étudiera tout ça avec beaucoup d'attention. À très vite pour une nouvelle émission de Cap ou pas Cap. Ciao!